These bad bitches, accolades, got Will's son, no castaway. I'm twice as good, get half the praise. Throw a sniper up and I'll blast away. You ain't getting through me, nah. How I've been here 10 hours, my chick sour, rising and falling together though like we the twin towers. Nothing's taken, I'm frustrated. If I could only get just to blaze it, ain't no doubt that I'd muster greatness. No chip off of that. Wesh YouTube, ici la EnDC avec aux commandes moi-même Jojo, le leader de cette team, pour vous présenter cette vidéo qui, j'espère en tout cas, vous fera plaisir. Et n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire si jamais en tout cas ça vous fait plaisir. Pour vos yeux, aujourd'hui on vous présente un magnifique gameplay sur MW3, comme vous pouvez le voir à l'écran. Car vous étiez assez nombreux à nous demander des petits retours aux sources. Sachez une chose, c'est que si on doit faire un retour aux sources, on le fera, il n'y a pas de souci, car ça vous fait plaisir. Mais ça ne sera pas un petit retour aux sources, ça sera vraiment une grosse performance qu'on vous lancera, comme ce magnifique gameplay que vous voyez aujourd'hui sous vos yeux. Pour le gameplay que vous avez sous vos yeux, ça va être une MOAB en mêlée générale, je précise bien mêlée générale, et full sniper. Voilà, c'est vraiment un gameplay qu'on ne voit pas souvent, et là c'est la EnDC qui vous propose un beau gameplay comme ça, et en plus c'est pas qui va hardscope ou qui va camper. Vous connaissez un peu le système aussi de la mêlée générale, c'est de rester dans une zone précise et de faire les kills tout autour de cette zone, en fonction des spawns qu'il y aura autour de vous. Donc vous connaissez la mêlée générale, mais vous allez voir que franchement il va vraiment rush tout autour, il va pas rester statique plutôt, il va même pas hardscope, pour vous dire, il va pas hardscope. Donc c'est vraiment un beau gameplay à voir, j'espère qu'il vous fera plaisir et que ça en vaut vraiment la peine que vous mettiez un max de likes et partagez cette vidéo. Donc je compte sur vous, si vraiment vous voyez que ce gameplay mérite des likes, proposez, voilà, mettez des likes, franchement je veux avoir un max de likes sur cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne du joueur qui sera en description. Pour ce qui s'agit du joueur, ça reste de la part de EnDC, plutôt Aizer, je voulais dire un autre truc mais c'est pas grave. Ça reste de la part de EnDC Aizer qui nous a réalisé cette MOAB en mêlée générale. N'hésitez pas à visiter un minimum cette chaîne et voir les gameplays qu'il propose, parce qu'il envoie vraiment du lourd. C'est un gars qui joue principalement en mêlée générale et qui va faire tout ce qui est MOAB. Il a déjà fait aussi des nucléaires. Donc voilà, il aime ce domaine là, c'est vraiment son domaine, la mêlée générale. Et vous allez voir qu'il a fait des doubles MOAB en mêlée générale, il a fait des MOAB express en mêlée générale, etc, etc. Je vous invite allez voir sa chaîne qui est en description, ça en vaut la peine. Et n'hésitez pas à mettre un max de likes sur cette vidéo, je me répète je sais, mais c'est parce que ça en vaut la peine. Et je tiens à dire que nous allons tenter de passer sur des chaînes communautaires, on leur remercie d'avance si c'est le cas. Et si jamais on passe sur les chaînes communautaires, vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un max de likes et à partager, parce que je pense que le gameplay en vaut la peine comme je l'ai déjà dit. Et à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre chaîne de team qui sera en description, si jamais ça vous fait plaisir. Vous savez, bon vous savez peut-être pas, mais nous sortons quand même pas mal de bons gameplays, de bons contenus, et j'espère que le contenu que nous proposons va vous faire plaisir. Donc je ne vous force à rien, n'hésitez pas à visiter et à voir si ça mérite votre abonnement ou pas. Donc pour ce qui est du sujet, c'est une toute petite question que je vais vous poser maintenant. C'est plutôt qu'aimeriez-vous avoir comme titre nucléaire, donc plutôt kill streak caché comme certains l'appellent. Comme kill streak caché, j'entends parler par le titre nucléaire la petite médaille, ou plutôt une espèce de bombe nucléaire comme la MOAB, la KEM, etc, etc. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous aimeriez vous avoir et pourquoi vous aimeriez avoir ceci. Moi personnellement, dans ce qu'il faut entre le titre nucléaire, la médaille ou l'espèce de bombe nucléaire, j'aimerais trop avoir cette bombe nucléaire, et je pense que sur le prochain Call of Duty, il y aura cette bombe nucléaire. Moi ça me ferait plaisir qu'il y ait cette bombe, parce que voilà, j'aimerais que tout le monde voie que j'ai fait cette bombe nucléaire. Certains des fois disent qu'ils ont fait la nucléaire mais finalement il n'y a aucune preuve. Moi j'aimerais que quand j'ai la bombe nucléaire, que je la fasse exploser, que tout le monde sursaute dans la map, que même le string de ma grand-mère explose, tu vois s'il faut. Non je rigole bien sûr, mais voilà, que tout le monde sache que j'ai fait cette bombe nucléaire. Voilà, c'est visuel, tout le monde voit. Deux fois quelqu'un arrive dans la game, on voit que la map elle est pas comme d'habitude. Voilà, quelqu'un a lancé une bombe nucléaire, donc voilà, il commence à rage quitter, commence à avoir peur, se poser plutôt des questions. Voilà, moi j'aime ce style là de je fasse exploser quelque chose, et je pense que peut-être que sur le prochain Call of Duty il y aura la bombe nucléaire, car ça reste un Warfare, Infinite Warfare, et que dans tous les Warfare, la série des Warfare, il y a toujours eu une espèce de bombe nucléaire. MW2 c'était un score streak, ça a été la bombe nucléaire, voilà. MW3 c'était la MOAB, comme ici sur ce gameplay c'était une MOAB. Après il y a eu aussi Ghost, il y a eu aussi Advanced Warfare plutôt. Voilà, il y a toujours eu une espèce de bombe nucléaire. Donc je pense que pour Infinite Warfare, il y aura aussi une bombe nucléaire. Je sais pas c'est quoi son nom au moment où je vous parle, mais je pense qu'il y aura. Et dites-moi ce que vous pensez dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous aimeriez avoir dans l'espace commentaire. Je compte sur vous. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, surtout pour le gameplay parce qu'il en vaut la peine. Le sujet c'est juste une toute petite question, on s'en fout un peu. Mais n'hésitez pas à partager, liker et je compte sur vous pour nous rejoindre sur les réseaux, etc. On se retrouve plus tard sur une prochaine vidéo. Allez, bye les gens.